Ben, moi, mon nom, c'est Alex Beaudin. Je suis coordonnateur en chef à la coopérative Grenier Boréal. Je travaille ici depuis 5 ans. Je siège aussi comme administrateur au conseil d'administration, composé de 5 personnes. Dans le fond, ici, je m'occupe aussi beaucoup des cultures fruitières et aussi de tout ce qui touche à la forêt, les fruits sauvages, les champignons, les plantes aromatiques. Puis, on est une équipe de 3 personnes en tout à la coop, employés permanents, dont 2 stagiaires qui viennent de l'école de Victoriaville. Aujourd'hui, on va parler d'une plante qui est connue, pas par tout le monde, mais beaucoup par les Manganois, je pense. C'est le thé du Labrador, l'édon du Groenland, de son vrai nom. C'est une plante, un sous-arbrisseau qui pousse dans les milieux humides ou les tourbières. On le retrouve en quantité astronomique en Mangani. C'est un arbuste qui aime beaucoup les endroits ensoleillés aussi, plein soleil. On va remarquer des feuilles plus petites dans les endroits ensoleillés et des feuilles plus grosses dans les endroits ombragés. Le thé de meilleure qualité, lui, c'est le thé de l'année avec le duvet blanc sous les feuilles. On peut aussi consommer celui avec le duvet orange. La seule différence, c'est que le thé va être coloré avec un goût légèrement plus amer, étant donné que les feuilles sont plus vieilles. Cet arbrisseau-là est à cueillir avec précaution. Ailleurs au Québec, on peut voir que les cueilleurs le coupent avec une serpe qui est comme une machette. Ici, en Mangani et à la coopérative, on proscrit ce type de récolte-là. On récolte seulement à la main les sommités florales de l'année en s'assurant de garder toujours 30% de la talle intacte. Non, excusez-moi, 70% de la talle intacte et on ne récolte que 30%. Et on s'assure aussi de faire une rotation à chaque année. Jamais retourner dans les mêmes lieux parce que le thé du Labrador, c'est une plante qui pousse très lentement. Elle a besoin d'un bon 2 ans minimum pour se remettre après une cueillette. Donc aujourd'hui, c'est de ça qu'on va vous parler. En Mangani, pour ce que je connais, le thé du Labrador, la saison de cueillette débute 2e semaine de juillet environ. Et elle va aller jusqu'à la 1e semaine d'août, maximum 2e semaine. Cette année, on a observé un léger décalage dû sûrement au soleil qui a été très abondant, le manque de pluie, puis les chaleurs intenses. Donc, le thé du Labrador a fait son aoûtement légèrement plus de bonne heure. Donc, la saison s'est écourtée de 1 semaine. Fait que pour le meilleur moment de récolter, c'est clairement entre le 15 juillet et le 10 août. Après ça, il faut impérativement laisser la plante bourgeonner, aouter pour l'hiver. Sinon, on va enlever le bourgeon de l'an prochain. Donc, la plante ne fera pas de nouvelle tête. Donc là, on va affecter la pérennité à long terme de la ressource. Le thé du Labrador, présentement au Québec, est utilisé pour énormément de produits. Juste en Mangani, on a de baies de sève à Natashquan qui fait des savons, des shampoings. Elle aussi des tisanes. Je pense qu'ailleurs aussi sur la Basse-Côte, il y a des extraits pour les pharmacies, mais ça, je ne suis pas certain. On a beaucoup de transformateurs d'alcool et de bière qui l'utilisent pour en faire des boissons. Il y a aussi des chefs dans les restaurants qui vont faire des crèmes brûlées au thé du Labrador ou des desserts quelconques. C'est aussi un très bon épice à utiliser avec les viandes de bois. Quelques feuilles émiettées par-ci par-là, puis on a un très bon mets à présenter. Donc, c'est utilisé dans plusieurs facettes de la vie quotidienne. Pour le conditionnement du thé du Labrador, ici, comment on procède? On a un séchoir qu'on a construit nous-mêmes, certifié MAPAC. Dans le fond, après la récolte de thé du Labrador, on prend les feuilles, on les étale sur une clé qu'on appelle, qui est comme un rack en bois. On le met dans le séchoir, on ne met jamais plus qu'un centimètre ou deux d'épaisseur de feuilles pour s'assurer que l'air circule bien. On a un déshumidificateur qui s'assure de tenir le taux d'humidité à 30% dans la pièce. C'est une pièce qui doit être sombre et avec une bonne circulation d'air. En moyenne, on en a pour 2 jours. Après ça, le séchage est complet. Puis après ça, on procède au conditionnement final, c'est-à-dire soit l'emballage en vrac de 1 kg pour les grossistes qui nous l'achètent, ou l'emballage en format 5 $-10 pour les tisanes mélangées boréales. Quand je parle de grossistes, je parle surtout
des gens comme les distilleries Pujalon, distilleries Vent du Nord, microbrasseries de la Côte-Nord, il y en a quelques-unes. C'est eux qui nous l'achètent en grande quantité. Là, on parle de 40, 50, 100 kilos. Donc, c'est plutôt ça quand je parle de grossisme. Mais sinon, pour se retrouver nos produits, il y a quelques points de vente, dont ici à la Coop. On a aussi chez Voyage Coste, où on a à Rivière-Tonnerre, où on laisse des tisanes. On a aussi via la table bioalimentaire leurs produits, leur offre de produits de la Côte-Nord. Et parfois en été, on les distribue dans chaque village de Mangani lors de notre passage. Et bientôt, on a un site internet qui a été créé il y a quelques temps, qui va bientôt être mis à jour pour éventuellement l'an prochain offrir toutes nos tisanes, toutes nos épices sur le site internet. Pour le thé du Labrador, il y a plusieurs effets bénéfiques sur la santé qui sont connus et étudiés aussi par certaines universités. On connaît la composition chimique du thé du Labrador. On sait qu'il y a de l'isopropinol 1 et 2, il y a de la sélinène et du limosène qui sont reconnus, eux, comme étant des antidouleurs naturels. Ils sont présents en assez grande quantité dans le thé du Labrador. Le thé du Labrador a aussi des vertus antidouleurs, comme je disais, et antidiabétiques. C'est un excellent breuvage à prendre pour les gens diabétiques. Ensuite, c'est reconnu pour être très bon contre la pression et les maux de tête aussi, toujours selon certaines études. C'est sûr que le thé du Labrador, c'est pas un remède miracle, mais utilisé quotidiennement, ça peut facilement aider les bienfaits du corps humain puis vous apporter un plus sur votre santé. Bonjour, Billy Tanguay, chef propriétaire du Bavard Livrogne. On se fait quelques recettes avec les produits de la Côte-Nord, des recettes faciles à réaliser à la maison que n'importe qui peut faire. Alors pour cette recette, on se fait une crème glacée au thé du Labrador. On se fait vraiment une recette très simple qui va vraiment beaucoup goûter le thé. On n'a pas beaucoup d'ingrédients et à la maison, on a besoin d'une sorbetière. Pour les ingrédients, on a le lait, 250 ml, de la crème, 500 ml, on a le thé du Labrador au goût. Moi, j'en ai mis quand même beaucoup pour ma recette parce que je veux vraiment qu'elle goûte beaucoup le thé, du sucre et des jaunes d'œufs. Première étape, dans un chaudron, on va combiner le lait, la crème et le sucre. On va faire frémir le tout juste avant que ça boue. Et ensuite, on rajoute le thé du Labrador qu'on va laisser infuser pendant 2 à 3 heures dans le chaudron. Prochaine étape, le thé est infusé pendant environ 2 à 3 heures dans notre crème. On va commencer la réalisation de notre crème anglaise. On va prendre les œufs, on va séparer les jaunes des blancs. Je suis rendu à l'étape de mélanger mes jaunes d'œufs. Pour les blancs, si on veut les garder, ça se congèle super bien. Si vous avez des recettes que vous voulez faire avec, des meringues, des cocktails, mettez-le au congélateur. Quand vous en avez besoin, vous les sortez, puis on peut les réutiliser facilement. Le mélange de crème et du thé du Labrador, qu'on va venir ensuite incorporer dans nos œufs. Juste avant, on va se rajouter un petit tamis, qu'on va venir juste tamiser tout le thé pour pas qu'il se ramasse dans la crème glacée. Prochaine étape, on va venir mettre la crème sur nos œufs, vraiment délicatement. Vous ne voulez pas cuire vos œufs, fait que vraiment des petits filets à la fois, juste à temps que tout le mélange soit incorporé. Alors dans le chaudron, on rajoute notre mélange. On va faire cuire à basse température, tout en brassant avec une cuillère en bois ou une cuillère en plastique. Une fois que ma crème anglaise est prête, ce
ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir la refroidir sur un bain de glace. Fait que dans mon cul de poule en dessous, j'ai eu de la glace. Sur le dessus, j'ai un cul de poule vide. On va venir transférer ici la crème anglaise. Et on va continuer à remuer. Très important au début de la remuer pour qu'elle se refroidisse le plus rapidement possible. Et on a ici pour environ 20 à 30 minutes avant de la mettre dans la sorbetière. Notre crème glacée est prête. On va se faire quelques boules et on va y goûter. Pierre-Olivier, gestionnaire, propriétaire du Bavard Livrogne. Je vous ai préparé quelques cocktails à base des produits de la Côte-Nord. C'est parti! Donc, pour ce cocktail, on va utiliser du Jameson, un petit whisky. On a de la crème, du sirop d'érable, ainsi que le mélange de thé de la Coop. On va commencer par faire bouillir le thé. Ensuite, on va rajouter chacun des ingrédients. Donc, une fois que le thé est infusé, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est rajouter un demi-once de Jameson, un quart d'once de sirop d'érable et de la crème à votre goût. Dégustation.